Les gens, c'est Drake Survie aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Aujourd'hui, petite vidéo sur Fortnite, alors pour vous parler de quelques défis qui sont sortis en ce moment. Donc il y a les défis d'anniversaire, donc le 4e anniversaire de Fortnite. Donc on a quelques défis qui sont pas très compliqués à faire, hein, clairement, mais... Il y en a certains qu'il faut quand même chercher certaines choses, donc on va parler de ce que c'est. Et normalement, il y avait des défis normalement pour avoir des... alors attendez, je vais vous les trouver, il faut que j'aille directement dans mon casier. C'était pour avoir la tête de chien, et je crois bien que c'était pour cette tête-là, donc le chevalier... le chevalier branché, donc le chevalier branché. Alors en fait, pour avoir ces trucs là, il fallait, alors tout bonnement, pour avoir le chien, pour la tête de chien, il fallait juste danser devant une peinture qui se trouvait un peu tout partout sur la map. Il y en avait surtout une là. Alors attendez que j'arrive à me repérer, de là. Ici, normalement. Non, attendez, je suis complètement paumé. Oui, ici. Donc là où il y a le dépotoir, moi je l'appelle le dépotoir, et en fait il y a une tête de chien, il y a un truc comme ça, et en fait vous dansez n'importe comment. Et de toute façon, j'allais vous le montrer tout à l'heure. Et pour le chevalier branché, en fait il fallait aller en créatif, juste en créatif. Donc on va aller faire un tour vite fait. Pour ceux qui veulent bien sûr avoir le truc comme ça, pour avoir ces trucs là, bon c'est juste des peintures, mais au moins vous avez des peintures en plus. En fait vous allez juste en créatif, et en fait c'est juste à la porte d'entrée, en fait c'est à l'entrée. Et en fait c'est des chaussures qui brillent, qui sont un peu disposées un peu tout partout dans le hub du créa. Alors je sais, il y a beaucoup de personnes qui en ont parlé, qui en ont fait des vidéos, mais en fait, ils parlent pas de trop, ils montrent juste où il faut aller, et c'est tout. Mais en fait, il faut aller dans le créa, vous allez dans le créa, et normalement ça se voit tout de suite, c'est soit tout de suite, mais le mieux pour vous, parce que c'est vrai que dehors, il y en a quelques-unes, donc moi j'appelle ça dehors, mais moi j'appelle ça le hub du créa. Qui est plutôt intéressant, parce que c'est vrai qu'à chaque fois le hub du créa change souvent. Alors attendez, ça bug un peu le créa à chaque fois, moi. Bienvenue machin. Donc en fait vous arrivez là, et en fait vous avez des paires de chaussures qui sont là. Donc soit en extérieur, donc vous les prenez, donc il vous en faut 40 je crois, 20 ou 40. Et en fait vous en avez un peu tout partout, donc en extérieur et en intérieur. Donc comme vous le voyez, ça brille un peu tout partout. Alors bon, il y a des moyens d'y aller, hein. Il y a des zones, il faut réussir à comprendre. Là par exemple, il faut faire du parcours. Donc là il faut vraiment, il faut vraiment sauter un peu à droite à gauche. Et le mieux c'est d'aller à l'intérieur. En fait à l'intérieur il y en a beaucoup. Donc il y en a en bas, il y en a au-dessus, juste là. Et je crois bien que c'est tout. Je crois bien qu'on peut pas aller plus haut. Aller plus haut. Voilà, il y en a même là, je crois. Voilà. Il y en a un peu tout partout. Alors bien sûr, il y a des zones où il n'y a rien. Mais vous avez juste à passer à côté. Ça les prend automatiquement. Là, par exemple, j'en ai déjà récupéré 5. Alors moi, j'ai déjà fait le défi, donc on va pas s'y attarder plus longtemps. Mais voilà, ceux qui veulent faire ces défis-là, c'est assez rapide. Donc je vais vous montrer aussi... pour le dessin, pour danser devant le pour avoir le tag du chien, en fait de la tête du chien. Je vais vous le montrer où il faut aller. Alors moi j'ai trouvé cette tête là après je sais pas s'il y a d'autres tags à partir de ce mode de jeu, mais c'est vrai que voilà. Pour les quêtes anniversaires, donc normalement pour les quêtes anniversaires vous avez accomplir des quêtes. Donc moi j'en ai déjà fait deux, j'en ai déjà fait trois, j'en ai fait déjà deux, pardon, j'en ai déjà fait deux. Donc la première qui est assez facile, qu'il faut manger à chaque partie, donc 4 gâteaux. Donc vous mangez une part de gâteau à chaque zone où il y a le gâteau, et faut danser devant 4 gâteaux
devant des gros gâteaux qui sont pareils vers les petites parts de gâteaux qui vous donnent du shield et de la vie, qui se trouvent un peu tout partout dans la map, hein, Lazy Lake, Corticorne, Retail, ils sont vraiment tout partout, hein, même là. Par contre, je sais pas s'il y en avait là, j'y suis pas allé voir, mais je crois pas. Donc il y a ça. Et normalement, le dernier défi, le dernier des derniers, c'est en fait d'aller de lancer des cadeaux. Alors bien sûr, il m'en reste qu'un à trouver. Et le truc, c'est qu'en fait, ils sont un peu aléatoires. Alors sur le forum de Fortnite, ils disent qu'on peut les trouver dans les coffres. Le truc, c'est que les coffres, moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment dans les coffres. C'est plutôt en extérieur, qui sont un peu aléatoires. Et ça, c'est un peu dommage parce que c'est vrai que bah, moi, j'avais trouvé une zone. Surtout que ça faisait deux cadeaux que j'avais trouvés. Donc je l'avais trouvé à Distidoc, juste là, ici, sur le plan de fond, là, sur le bord de ce bâtiment-là. Donc on va aller faire un tour et en même temps je vais essayer de prendre un véhicule, aller au plus vite et de vous trouver le truc du dessin, parce qu'on va pas non plus durer 2 heures sur cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaît au moins. Ça vous indique un peu les emplacements. Alors moi j'ai déjà fini toutes mes cartes. J'ai déjà fini un peu toutes mes cartes. L'XP, j'attends que j'ai le double XP. Après quand ça tombe, ça tombe. Quand j'ai déjà des quêtes de fête, j'ai déjà des quêtes de fête. Par exemple j'ai des quêtes qui sont en train d'être faites. Alors, je peux toujours les réinitialiser pour en avoir des nouvelles. Mais voilà. C'est assez facile comme quête, franchement. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas des quêtes comme il l'avait fait tous les jeudis. On a plus de quêtes qui nous filent par Fortnite. En fait, il faut les faire à notre guise. Et ça, c'est dommage parce que ben, ça perd un peu du charme. Parce que le truc, c'est que les quêtes, ben, c'est de l'or en fait. Et si on fait pas les quêtes, eh ben, on fait pas les quêtes non plus ici. Donc normalement vous pouvez les réinitialiser. Donc là par exemple je peux les supprimer. Et ça les enlève. Donc à partir de là, bah vu que je suis dans le bus, voilà. Mais ah merde. Bon, bah, on va aller autre part. On va aller là où j'avais dit. C'était ici. On va aller ici, comme ça sera mieux. Alors attendez, la map. Que je la retrouve. Je perds ma voix. J'ai pas mis Eddie en. Alors oui, alors ça y est, Eddie Brock est sorti pour ceux qui l'ont pris. J'espère que vous le trouvez cool. Moi je le trouve sympa. Alors moi j'ai les deux symbiotes. Je vous le montrerai. Bon, je pense que dans les vidéos vous l'avez déjà remarqué que j'avais déjà le gros symbiote, le tout premier, celui qui était déjà sorti. Mais là je pense que c'est vraiment pour un clin d'œil au film. Vraiment au film de Venom 2 qui va sortir. Alors normalement alors ça devrait être dans le coin. Ça devrait être dans le coin. Alors normalement il devrait être sur ce plan de mur. À part s'il est de l'autre côté. Alors, est-ce que ça a été supprimé pour moi? Ou est-ce que les défis sont terminés? Ah non, il est là. Voilà, vous avez juste à danser devant. Donc, vous prenez une emote que vous avez. Et vous dansez devant. Donc, voilà, vous suivez le panneau gris. Donc, c'est ici à partir du feu. Donc, vous êtes là. Et en fait, vous allez pouvoir trouver ce que vous voulez. Donc, on va faire une game en même temps. Comme ça sera cool. Comme ça sera bien. Hop, il y a la poupoule. C'est qu'il allait y avoir un peu plus de trucs, mais apparemment. Ah, occuper un peu de matériel.
Toc, toc, toc. Ouais, par contre, j'ai pas de quête qui s'est remis à jour. Vu que je les ai supprimés en plein vol. Normalement, ça se remet une fois que vous allez au hub. Bon, je suis un fifou, je prends mon shield en plein milieu. Et là, je prends une méchante balle qui arrive en plein dans ma gueule. Mort dès les premières minutes, cool. Je suis dans la zone, impeccable. Suis dans la zone. Alors le seul souci, c'est que là, vu que j'ai spawn un peu au milieu de la map, bon, je suis dans la zone, mais le truc, c'est que ben j'ai rien pour me. Bon, j'ai quand même quelques armes, ça va. Mais c'est vrai que c'est pas la meilleure solution de spawn n'importe où. Pas vu la boîte. Hop, on fait les caisses en même temps. Oui, allô? Kit de soins. Hop, on récupère un peu de bordel. Je pense que je vais pas être dans la zone prochaine vague. Bon, il reste 2 minutes et une. Il reste plus que 28 personnes déjà. Ouf. Ça descend vite, très vite même. Je serais capable de tout nettoyer, moi, comme d'hab. Bon, il n'y a plus rien là. Le truc, c'est que je suis pas fan des. Le scanner reconnaissance. C'est vrai qu'il est bien, mais je suis pas. Vous êtes une cible. Ah, bah tiens, ça manquait ça. Et le brouillard s'est levé. Ouais, c'est mieux d'aller là-bas. Ah, il se rapproche.
Ah, il recule. Ah, mais c'est pas marrant. Ok, ça m'a fait un défi. Ok. Oh, c'est de la merde, ce truc-là. Oh là là. Les gens qui construisent comme ça, c'est chiant. Surtout qu'elle avait presque plus de vie, c'est casse-couille. C'est casse-couille de voir des gens comme ça construire. Alors ça, par contre, c'est horrible. Parce que pendant la saison dernière, plus personne construisait, la plupart. Et là, cette saison, c'est soit ils campent, soit ils construisent. Alors comme des connards, hein. Alors là, je vais vous le dire clairement, ils construisent comme des connards. Soit ils sont en voiture et puis ils vous écrasent comme des merdes, c'est pareil, ou soit ils campent dans les buissons. Alors ça c'est le nouveau mode de jeu, c'est le camp buisson, c'est la meilleure chose. Alors que vous restez pendant quelques temps dans le buisson, ça peut être compréhensible, mais camper dans un buisson à longueur de temps pour faire chier votre monde, ça non quoi. C'est pour ça, moi en ce moment je passe beaucoup de temps. Bon, bah déjà j'ai plus de défis, donc je passe plus de temps sur imposteur et en Fort Dampoint. Parce qu'en Fort Dampoint, vous avez le droit aux défis, à des défis un peu secondaires. Donc des défis lama. Alors bon, c'est plus des trucs de lingots, mais par exemple, vous pouvez faire par exemple quelques quêtes, des quêtes que vous pouvez remplir. Donc les quêtes des complets, quoi. Donc voilà. Donc c'est aussi rapide, c'est beaucoup mieux, et puis voilà. Donc dites-moi si vous avez déjà terminé vos défis. Dites-moi au moment que je vous ai fait le défi de vous montrer le truc avec les chiens et puis le chevalier. Le chevalier, est-ce que vous aviez terminé ou quoi que ce soit? Dites-moi, et puis voilà. Merci encore, passez une bonne soirée, et on se dit à la prochaine les gens, c'est vrai que survie. Peace.